Nous aujourd'hui un peu différent de d'habitude. Nous recevons Karen qui va nous parler un peu des indices parce que ça a pas mal bougé aujourd'hui. Bonjour Karen, comment vas-tu? Bonjour Annie, ben, ça va bien, écoute. Donc on a fait ça un peu improvisé. On va essayer de faire ça cet après-midi. Tu vas nous analyser en Ichimoku le Dow Jones, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train d'écrire mon livre, comme chacun sait, parce qu'on me le réclame, on me le réclame, mais il faut quand même que je l'écrive avant. Et du coup, je suis en train d'écrire la partie un peu trading et j'étais sur le long terme, la partie qui concerne le long terme. Et donc je me dis, tiens, je vais prendre le Dow Jones pour l'analyser un peu sous toutes les coutures et expliquer certaines choses. Et c'est en analysant un peu en profondeur que je me suis aperçue qu'il se passait des choses intéressantes. Et donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer de faire partager la communauté de ce que j'ai trouvé avant que les gens achètent mon livre et que ça soit complètement caduque d'ici là. Voilà. Et D'accord. puis, bon, il s'est trouvé, donc j'ai fait ça ce week-end et il s'est trouvé que là, aujourd'hui, en plus, bah, ça m'a donné raison dans ce que j'ai envisagé parce qu'effectivement les marchés ont pas mal chahuté aujourd'hui. Donc bah, je me suis dit bon, tiens, autant en faire profiter tout le monde, donner un peu mon avis de que j'explique un peu comment je travaille. Voilà, c'est D'accord. un peu l'idée. Parfait. C'est un peu l'idée. Donc on y va? Allez, on est parti. On est parti. Donc, comme là, je parle de très long terme, hein, attention, je ne suis pas dans l'intraday, dans les gens qui font du scalp ou même qui font du swing, hein, d'accord? On est sur du long terme. L'idée, c'est de voir, on a eu une grosse impulsion donc, depuis 2009, hein, depuis la fin de la crise, voilà, on a une grande hausse ici et l'idée, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y en a encore derrière ou est-ce que c'est terminé? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que je ne fais pas de fondamental, je ne fais que du technique. Mais le fondamental, à un moment donné, il faut quand même le prendre en compte. Alors je ne vais pas prendre le fondamental du Dow Jones en particulier, je vais prendre le fondamental environnemental. Donc tout le monde est au courant du Covid, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est un point à prendre en compte, hein, n'est-ce pas? Ensuite, le deuxième point à prendre en compte, et c'est là où c'est particulièrement intéressant, notamment sur les indices américains, c'est les élections américaines qui arrivent là, au 3 novembre. Et puis, on est en septembre, d'accord? On est en septembre avec le mois d'octobre qui suit, hein, c'est un scoop pour personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, ce sont 2 mois qui sont très chahutés. Alors, en général, on a un mois de septembre qui se passe plutôt bien jusqu'à la troisième semaine. C'est exactement ce qui vient de se passer. On peut prendre les statistiques en arrière. En général, c'est plutôt pas forcément top top, mais en général, le marché tient. Et puis, à partir du, voilà, la deuxième quinzaine de septembre, en général, le marché fatigue et s'effondre pas nécessairement. Mais disons qu'il va amorcer une correction qui peut durer jusqu'au mois d'octobre et en général, toujours pareil, dans la majeure partie des cas, le marché reprend de plus belle en novembre, et puis après on a le fameux rallye de Noël quand il doit arriver. Enfin bon, après c'est une autre histoire. Là, le problème, c'est que on est dans la saisonnalité du mois de septembre et d'octobre, classique, donc il faut être méfiant. Et derrière, avant le rallye de Noël, on a le 3 novembre avec les élections américaines, où là, c'est du quitte ou double. D'accord? Donc voilà. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs possibilités qui peuvent émerger de tout ça. Donc après, on va se rapprocher de la technique. Parce Pour que les élections américaines, Trump, ce serait une montée et Biden, ce serait une descente, non? À peu alors, près. aucune idée. Ouais. Aucune idée. Actuellement, moi, je suis aux États-Unis, hein, donc je suis ça quand même, évidemment. Alors, vous avez des jours où on dit que Trump qui repasse, ça fait monter les marchés. D'autres jours, on dit que ça fait baisser les marchés. Donc franchement, en l'état actuel, les élections américaines, c'est de la très grosse incertitude. Alors, on avait déjà dit ça, ce discours était déjà valable au moment de Trump contre Clinton, mais ce n'était pas pareil. Clinton était connue, oui, puisqu'elle était sortie du gouvernement Obama, donc elle était connue, c'était une démocrate, et Trump arrivait de nulle part, richissime, voilà, républicain, etc., etc. Donc, évidemment, les sondages donnaient Clinton gagnante, parce qu'on donne toujours la politique gagnante par rapport au business. Pas de chance, c'est Trump qui est passé. Et donc les marchés ont fait un sell-off au moment où le Trump est passé et après c'est remonté. Okay? D'accord. Pour faire simple. Là, le problème, c'est que j'ai envie de dire, bon, j'aimerais bien, c'est en français, donc ça va, les Américains ne vont pas me tomber dessus parce qu'ils ne vont jamais comprendre ce que je dis, mais c'est entre la peste et le choléra.
D'accord. Ah, faut être très clair sur la Ouais, question. c'est l'impression qu'on a, oui, aussi. Ouais. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que Trump qui repasse, bon, ok, soit, mais enfin, pour le moment, il est quand même extrêmement mal. Là, sa gestion du Covid a été très mauvaise. Il y a quand même une grosse, comment on dit en français, je ne sais plus, c'est unrest en anglais. Il y a tous ces mouvements sociaux Ouais. qui sont latents et voilà, où il y a déjà eu des explosions. Les ventes d'armes ont explosé. Il n'y a même plus de munitions parce qu'ils sont en rupture de stock. Donc, c'est pour vous dire C'est la guerre l'ambiance. civile alors, presque. On n'en est pas loin en fait, on n'en est pas loin. Voilà, c'est effectivement, si je veux avoir un discours réel par rapport à ce qui se dit sur les États-Unis, c'est qu'on n'est pas loin de la guerre. D'accord. Et civile, voilà, en tout cas de soulèvements sociaux majeurs. Donc, que ce soit Trump qui passe, avec ses idées, on les connaît, je ne vais pas rentrer dans le détail. Biden, bon, il ne fait pas le poids, il faut être clair sur la question. Pour le moment, j'ai envie de dire que Biden serait le moins pire. D'accord. Hein, entre la peste et la choléra, on va dire que ce serait le moins pire des deux. Donc maintenant, comment les marchés vont réagir? Aucune idée. Je pense que les marchés, de toute façon, ne réagiront pas nécessairement à l'élection, mais réagiront à ce qui se passera au niveau de Ouais. la Fed, notamment, et comment les élections vont se passer. C'est-à-dire que si Biden passe immédiatement au 3 novembre, l'autre, après, tout dépendra de l'ampleur. Admettons que, je sais pas, je dis absolument n'importe quoi, mais que Biden passe avec 60% des voix et puis que l'autre, il en Ouais. ait 30%, il ne pourra pas dire il y a de la fraude, c'est pas possible. Maintenant, si c'est ric-rac, comme on avait Ouais. vu en 2000 avec Al Gore, là, à ce moment-là, il va faire tout pour dire que non, ça a été faussé, etc., etc. Et c'est là. C'est si jamais ce cas-là se présente, c'est là où ça va être dramatique, parce qu'il va demander à ce que les recomptes, les comptes de voix, etc., soient refaits. Donc tout ça va prendre du temps. En plus, Et avec donc, le vote par correspondance, il commence déjà à dire il y aura des fraudes. c'est ça, exactement. Alors, il n'y a pas nécessairement des fraudes, mais bon, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Donc, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais on est ric-rac comme ça, il va y avoir du temps qui va passer jusqu'à ce que le président officiel soit nommé, en quelque sorte, hein. Et donc, tout ça, pour les marchés, c'est de l'incertitude et c'est de l'instabilité. Les marchés n'aiment pas ça. Ça, les élections, c'est le 3 novembre. On peut donc, quand je parlais du rallye de Noël, Christmas rally habituel, on ne l'aura peut-être pas pour la bonne raison, c'est qu'on sera peut-être justement dans ce cas d'incertitude. D'accord. D'accord? Et puis, bon, ça, c'est le côté politique qui, effectivement, présente une grosse incertitude, enfin, de mon point de vue majeur, pour gérer les marchés. Donc, voilà. Et puis, il reste le problème Covid de toute façon. Et le Brexit, ça, on en entend parler aux États-Unis ou pas du tout? Non. Ça n'a aucun intérêt pour nous. D'accord. Ça n'a aucun intérêt, c'est plutôt le Brexit, c'est vraiment européen. D'accord. D'accord? Là, les Anglais ont signé un accord commercial avec le Japon majeur, donc ça, c'est important pour eux. Ça n'empêche que la livre chute quand même. C'est vraiment purement européen. Alors, ça ne veut D'accord. pas dire que les Britanniques ne sont pas, ne travaillent pas avec les États-Unis, mais c'est quantité négligeable par rapport aux deux autres phénomènes. D'accord. Voilà. Donc, le Brexit, on oublie. Non, mais voilà. Donc, c'est pour dire que ceux qui ont lu mon article concernant les trades que j'avais faits sur des valeurs US technologiques, j'ai expliqué que j'étais sortie fin août, pas sur des signaux techniques qui me disaient que le marché allait se renverser, puisque en fait ça continue à monter après mes sorties, donc j'ai fait des non-gains, on va dire, mais parce que simplement à cause de cette saisonnalité de septembre-octobre qui arrivait, c'était la fin de la semaine, c'était la fin du mois, parce que je suis sortie, les dernières positions étaient sorties le 27 août, hein, donc c'était fin de semaine, fin de mois, avec septembre et octobre qui arrivaient, plus les élections américaines, et j'ai dit clairement, j'ai dit non seulement je sors, mais je ne vends pas, je reste liquide, c'est-à-dire que je D'accord. suis hors marché jusqu'au 3 novembre, minimum. D'accord. Et après, j'aviserai. Et si jamais ça se passe mal, eh ben, il faudra rester hors marché jusqu'au 21 janvier. Le 21 janvier, c'est l'investiture. Donc, ça peut très bien traîner jusqu'au 13, parce que je crois que le 13, c'est la date 13 janvier, c'est la date finale, justement, où on détermine, entre guillemets, qui est président, hein, voilà, si ça doit mal se passer. Et le 21, c'est l'investiture. Donc, D'accord. jusqu'au 13 janvier, on peut très bien être dans un marché de merde complet. D'accord? OK. Voilà. Donc l'idée, elle est un peu là. Donc maintenant, voilà, ceci étant dit, il faut être prudent. Ceux qui font de l'intraday, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent faire un peu du plus long terme, j'ai envie de dire, on est hors marché et on observe. D'accord? C'est la sagesse même.
Ou alors on voit autre chose que sur les indices américains. Mais bon, pour le moment, je trouve que les indices européens, ils ne se comportent pas de façon miraculeuse non plus. On verra le CAC à la fin. J'ai tweeté tout à l'heure pour dire que le DAX n'avait même pas été fichu de fermer son gap hein, avant de se retourner. Donc voilà. Hein, Puis donc, les indices européens sont corrélés aux indices américains, oui, alors ils normalement. sont courts. Oui, on ne voit pas les indices américains monter, les indices européens baisser. Ça, c'est une évidence globalement, où ça monte, où ça baisse. Ceci étant dit, on a bien vu les indices américains qui sont montés ces derniers temps, mais de manière quand même conséquente. Le CAC, il a fait de l'horizontale. Le DAX, il s'est repris un moment, il s'est dit, tiens, ça monte, il faudrait peut-être que j'envisage de monter. Il a un petit temps de retard, mais il est monté, mais voilà, là, ça y est, il s'est retourné sans fermer son gap. Donc, il s'est arrêté pile poil dessous. D'accord? Donc le gap qui a été ouvert au moment du Covid, il est toujours ouvert. D'accord? D'accord. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, moi je conseille pour ceux qui font du long terme de rester hors marché ou d'aller sur d'autres marchés, d'aller sur le forex, sur les matières premières, mais certainement pas sur les indices en tout cas. Donc voilà. Alors je vais vous faire une petite étude rapide, on va essayer de pas y mettre 3 heures quand même. Sur le dos, hein, voilà. Donc là, je vous ai mis la vue trimestrielle. Alors, c'était des vues que j'ai faites ce week-end, hein, donc ça a dû baisser encore un petit peu là aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça baisse encore un peu. Donc la vue trimestrielle, elle nous dit quoi? Elle nous dit, grosso modo, on a ce schéma-là. Hein, on a une vague qui était précédente, on a une vague baissière ici, donc on appelle la vague 2, et puis là, on est dans une grande vague qui monte. Donc, d'un point de vue de l'UTIS, c'est la vague majeure, haussière, la vague 3 que tout le monde doit trader. Et puis là, on a une espèce de truc qui s'est passé donc avec le Covid ici. Si on peut dire qu'éventuellement, si on n'avait pas eu le Covid à ce niveau-là, bah, peut-être qu'on aurait eu une correction comme on a eu une correction, hein, on serait revenu chercher un canal, on serait reparti. La correction a été plus profonde puisque bah, il y a eu le phénomène Covid. Ceci étant dit, il faut quand même noter que d'un point de vue trimestriel, nous sommes toujours haussiers, techniquement parlant. Pourquoi? Parce qu'avec Ichimoku, vous voyez qu'on a clôturé en dessous de la Kijun, donc fin du Q2, d'accord? On a clôturé, enfin du Q1, pardon, on a clôturé en dessous, mais dès le trimestre suivant, on est reparti à la hausse. On a invalidé, d'accord? Donc techniquement parlant, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, donc on reste haussier. Le bémol qui peut nous inquiéter à l'heure actuelle, c'est ça. C'est un point haut qui est plus bas que le dernier point haut. Donc, tous ceux qui connaissent bien l'analyse technique savent qu'on utilise la théorie de Charles Dow qui date de 1870. Des points hauts de plus en plus hauts, c'est une tendance haussière. Des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, c'est une tendance baissière. Donc là, le souci, il est là. C'est que là, on pourrait avoir une information comme quoi ben, on ne fait plus un point haut plus haut. Donc, alerte. Maintenant, de mon point de vue à moi, j'ai deux bougies bleues, il me manque une troisième bleue. D'accord? Donc le dernier Q4 là, qui doit venir, on pourrait très bien avoir une mèche qui aille nous faire un point haut ici. On s'en méfiera aussi parce que ça sera une troisième bougie bleue, donc avec du rouge attendu derrière. Donc ça, c'est autre chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que là, on remarque déjà dans le marché, sur une échelle haute, hein, parce qu'on est en trimestriel, qu'il y a de l'incertitude. Alors, OK, on est bien remonté, OK, on a effacé plus ou moins le Covid, parce que si on passe par du principe qu'on n'avait pas eu le Covid, on aurait peut-être eu une correction jusque vers la Tenkan. Donc, grosso modo, bah voilà, on a fait notre correction, et puis on repart à la hausse. Et puis on efface ça. D'accord? Voilà. L'idée, elle est là. Alors, voilà comment je décompose donc en mensuel. Alors, décomposition héliotiste, c'en est une. D'accord? C'est la mienne pour le moment. J'y tiens. Non, j'y tiens pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que celle que je trouve le plus sensée. Maintenant, comme je dis souvent à certaines personnes, on peut mettre 10 héliotistes autour d'une table, ils auront 10 décomptes différents. D'accord? Le problème d'Eliot, c'est que ça nous donne une vue très générale. Ça nous donne une idée sur ce que le marché est en train de faire, sur est-ce qu'on a un marché impulsif ou correctif, mais ça ne va pas nous donner de la précision. D'accord? On ne peut pas s'y fier pour trader. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, là, j'ai mis un décompte, il y en a un autre aussi qui est derrière. Donc l'idée, c'est ça. C'est on a 1, 2, on a 3, 4. Et pourquoi je mets des points d'interrogation ici? Ben parce qu'en fait, tout ça, ben, on n'en est pas sûr. Est-ce que mon 3 il est là ou est-ce que mon 3 il est là? Est-ce que mon 4 il est là ou est-ce que mon 4 il est là? Et auquel cas j'aurais fait 5 ici. Et auquel cas j'aurais fini ma grande 3 ici. Sachant que une vague impulsive se fait en 5 temps. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et puis 5, je ne sais pas où c'est. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est là? Ou est-ce que ce n'est pas là? Est-ce qu'on est en train de la faire? Voilà.
Donc, c'est vraiment de la grande incertitude. La seule chose qui est intéressante quand on fait de l'Eliot avec Ichimoku, ce sont les validations. Et les validations de vagues, elles nous sont données justement par les cassures de nuages. Donc là, on est en mensuel, hein, donc on est sur du très long terme, ce qui correspond à l'échelle fractale d'Eliot. Et donc, quand on veut valider une vague, ici j'ai une vague baissière, il faut que je traverse le nuage. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on est au-dessus du nuage, on est haussier, en dessous du nuage, on est baissier. Donc là, si j'ai traversé mon nuage, j'ai bien renversé ma tendance. Donc je suis bien dans une vague contraire à la précédente. Donc je suis dans une vague 2. Ici, je repars, d'accord? Et je retraverse le nuage, noté par le twist par-dessus le marché. Donc c'était vraiment très propre. On est passé. Donc tant qu'on est au-dessus de ce nuage mensuel, on est haussier. Donc, ça veut dire que ma vague 3 d'échelle supérieure, hein, c'est la vague 3 qui correspond à la 2 ici, hein, les chiffres 3 suivants, eh ben, elle n'est pas finie, puisque je suis toujours au-dessus de mon nuage. Il faudra que je casse mon nuage pour dire, stop, la vague 3 est terminée, maintenant je pars dans une grande vague 4 corrective. D'accord? Donc, le mouvement que j'ai eu là, il ne me valide absolument pas une fin de vague 3 et démarrage de vague 4. Pourquoi? Parce que j'ai bien traversé mon nuage, mais pas en clôture. En clôture, on s'est arrêté dans le nuage et on a validé dès le mois suivant. Ce n'est pas le trimestre suivant, c'est le mois suivant. D'accord? Donc, ça ne valide pas du tout le fait que notre vague 3 serait terminée et qu'on serait donc dans la grande vague 4 dont tout le monde parle. Le seul truc qu'on peut se poser, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que là, on n'aurait pas un double top? Donc, partant de ce principe-là, je reste dans mon idée haussière, puisque je n'ai pas de renversement, puisque je suis toujours là. Donc, je garde mon décompte 1, 2, 3. Ça, c'est une vague 4. Hein, voilà, donc en ABCDE, j'ai une vague 4 et on repart. D'accord? Donc, est-ce que après 4, c'est 5, c'est pas un scoop? Est-ce que la vague 5, on vient de la démarrer, auquel cas on pourrait avoir un mouvement impulsif 1, on va faire un mouvement correctif 2, donc septembre, c'est du mensuel, hein? Septembre, octobre, voire novembre, voire décembre, si c'est le bazar aux Et États-Unis, on reviendrait sur le d'accord? nuage alors pour la 2. On pourrait revenir sur le nuage. Le nuage fait support, donc on ne l'enfonce pas. Donc on n'invalide pas, on reste bien toujours en tendance haussière. Et on repart faire 3, 4, 5. Et la 3, là, elle finirait ici. Donc, suivant ce schéma-là, on est toujours haussier. D'accord? Et là, actuellement, là, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être dans la semaine, etc., pour le moment, on a de la correction. On a eu un mouvement impulsif, on va faire une vague 2, ben, il faut bien la faire, il faut bien que ça baisse pour la faire. Et on a la saisonnalité qui est avec nous. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'on descend jusque-là? Là, c'est la première idée, puisqu'on redescend chercher le nuage, on part. Maintenant, vous voyez que la lagging span ici, elle va rencontrer des prix. On pourrait très bien s'arrêter avant. C'est-à-dire, elle pourrait très bien descendre, par exemple, là, à travers les prix, hein, chercher la Tenkan, par exemple, ce qui nous amène ici, plus haut, et repartir. Donc ça, c'est l'extrême. C'est pour dire que si on enfonce là-dessous, à ce moment-là, tout ça, c'est faux. Si ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que même si là, on avait un sell-off pour une raison X, Y, Z, le niveau à surveiller, ça sera ce niveau-là. Tant que ça n'est pas enfoncé, la tendance de fond n'est pas remise en cause. Ça, c'est de la pure technique. Donc, même si ça enfonce, hein, là, ouais, on a enfoncé, c'était quand même magistral, mais la tendance de fond n'a pas été remise en cause. D'accord? Donc, voilà ce que ça peut donner. 1, 2, et en objectif, hein, les 100%, ils sont là-haut. Donc, on va utiliser, après, on va positionner donc une extension Fibo, donc le traditionnel. Si on prend le point bas de la vague 1, on va chercher le point 3, le point 4 ici, et on a les extensions. Donc, on a du 61,8 ici, 76 et du 100%. Donc, si on atteint ça là-haut, par contre, là, on saura que définitivement, on a fini, quoi. 5, c'est rouge, est terminé, et que 3 est terminé, et donc là, on partira à la baisse. Donc, c'est là où Elliott a un intérêt, j'ai envie de dire, c'est nous baliser un petit peu l'histoire. C'est-à-dire que Ichimoku nous donne la tendance. La tendance, on voit bien que ça monte. On a besoin d'un nuage pour nous dire que ça monte, hein, d'accord? Mais ça nous donne pas les objectifs. On n'a plus d'objectifs puisque ma lagging span, elle est en haut, mes prix sont au-dessus du nuage, etc. On n'a pas d'objectif. Donc la seule chose qui peut nous donner un objectif potentiel et une idée sur ce qui peut se passer, c'est d'utiliser un décompte Eliottiste qui nous dise, voilà, donc première possibilité, on a démarré la vague 5 haussière, on fait 1, 2, et puis après on fait 3, 4, 5. Alors est-ce qu'on fait 3, 4 et puis 5? Bon, après ça, on l'affine après. Mais pour le moment, l'idée, elle est là.
Et on arriverait au maximum vers l'été prochain, alors, en fait. Ouais, à peu près dans ces eaux-là. J'ai pas regardé exactement, mais bon, à la louche, ouais, ça peut même faire du 2022, hein, je sais pas. Après, tout dépend de la vitesse des marchés. Ah, est-ce qu'on va faire des petites crottes comme ça en mensuel et auquel cas ça va pas bouger beaucoup, ou est-ce qu'au contraire on va booster, hein? Donc ça peut être 2022, ça peut 21, 22, 23, on n'en sait strictement rien. C'est du long terme, donc on suit le mouvement, on accompagne le mouvement. On n'est pas en train de calibrer sur des années, hein, d'accord? Donc je reviens sur ce passage-là, hein, délicat. Voilà, c'est là où il va y avoir un doute. Donc en hebdomadaire, à quoi on peut s'attendre? Donc en hebdomadaire, donc ça c'est la vue que j'ai prise dimanche, hein, donc j'ai la vue suivante après. Donc la première idée c'était ici, donc nous avons cette grande vague 4 rouge qui s'est faite en mouvement A, B, C, D et E. D'accord? Honnêtement, quand on était là-haut, je ne pensais pas qu'on descendrait là en bas. Pour moi, c'était signe. Je pensais qu'on pourrait redescendre ici pour repartir. Ma correction, je l'annonçais vers ici, là, vers ce niveau-là, et on repartirait. Bon, pas de chance, le Covid est passé par là, on est descendu plus bas. On est reparti à la hausse ici. Donc, techniquement parlant, à moyen terme, donc on a vu qu'à long terme, on est toujours haussier, mais en hebdomadaire, on est toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du nuage, ici. D'accord? Donc, tant que je suis au-dessus du nuage, je suis haussière. Ma lagging span, elle est au-dessus du nuage. Elle est même en dehors de ses prix. Donc là, si par exemple, on oublie la journée d'aujourd'hui, hein, d'accord? Là, on avait la Tenkan en support, d'accord? On aurait très bien pu imaginer que la Tenkan tienne en support et qu'on reparte. Attention, aujourd'hui, ça a vendu. Rien ne me dit pas que demain, ça ne va pas racheter. Et on va invalider en repassant la Tenkan et en retournant chercher là-haut, d'accord? La lagging span, elle peut descendre. Elle peut monter. D'accord? Donc, on a les deux. C'est pour ça que le niveau 2 d'une possible vague 2 ici, donc je l'avais mis sur ce niveau-là. Maintenant, il y a un autre niveau 2 qui peut exister aussi, qui est beaucoup moins impressionnant. Ce serait la lagging span qui descendrait ici et qui buterait sur son nuage, tout simplement. On voit qu'ici, on a une Kijun en prolongement. Donc là, on a un niveau. D'accord? Ici, on a un niveau. Voilà. Donc, on peut très bien avoir ce mouvement-là. Vous voyez que là, cette hausse ici, là, qui est depuis le mois de mars, ici, on a une immense, c'est l'hebdomadaire, hein, on a une immense bougie rouge ici, on est venu chercher un niveau, on est reparti. Rien ne dit pas qu'on est en train de faire ça cette semaine-là. Mais là, j'ai eu deux rouges, j'ai une rouge ou une bleue ici, on ne sait pas trop, enfin une bougie de merde. Et on peut très bien avoir une grande bougie rouge qui descend d'ici cette semaine, voire une bougie rouge qui descend ici comme ça, on s'arrête là, et puis la semaine prochaine, on descend là et on remonte. Et on repasse. D'accord? D'accord, Et je auquel cas, vois. ma vague sera faite. D'accord. Et on ne pourra valider ce schéma-là que lorsqu'on dépassera le sommet de la vague 1. Alors c'est là où on dira, ok, c'était une correction, il y a bien eu correction ici, hein, why not? C'était une correction, on repart. Alors ce que j'avais annoncé dans ma vidéo de début de mois là, d'analyse mensuelle, j'avais dit, attention, il y a un danger, le danger il est où? C'est qu'il n'y a plus de support pour les prix. C'est-à-dire, vous voyez que ce mouvement-là, c'est ça, hein, c'est la dégringolade de mars. Donc les prix, là, ils peuvent se casser la figure jusque-là. Hein. Si on veut un sell-off ici, il peut se faire sans problème. Le seul bémol qu'on aura, ce sera la lagging span. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est un support intermédiaire. Il passe ou il lâche. Il passe ou ça passe pas. D'accord? Et Donc là, on est à combien là je me sur souviens plus, ça va être 26 000 et quelques, je me souviens pas trop. J'ai pas noté les niveaux parce que c'était, comme c'est dans mon bouquin, je fais de la théorie, donc j'ai pas noté les niveaux. Mais voilà, hein, l'idée, elle est ici, je crois que c'est 26 600. Donc voilà, là, je l'ai pris aujourd'hui, le graphique, donc c'est ce qui se passe en ce moment. C'est de l'hebdomadaire. Cette bougie, c'est de l'hebdomadaire. Ça ne veut pas dire non plus qu'à la fin de la semaine, on sera parvenu là-haut. On n'en sait rien. Ça, c'est lundi, hein. Il y a encore 4 jours, hein. D'accord? Donc là, pour le moment, on est en train de s'acheminer vers ce niveau-là. Maintenant, ça peut très bien continuer à vendre et puis clôturer là-dessus aussi. D'accord? On n'en sait rien. L'idée, elle est là. Ce que je constate quand même, c'est que j'ai une Kijun ici qui est en train de remonter parce que cette Kijun-là, elle est en train de prendre ça en compte. En train de prendre cette hausse-là. Hein, je rappelle qu'une Kijun, c'est point haut, point bas sur 26 périodes divisé par 2. D'accord? Donc là, on était ici, on est resté très longtemps ici parce qu'on avait ce point haut qui était là et on avait un point bas ici. Là, le point haut, il est là maintenant et là, on est en train de remonter. Donc ma Kijun, elle va continuer à remonter. Et vous voyez que là, cette semaine, elle est montée ici. La semaine prochaine, il y a un petit décalage, mais la semaine suivante, il y a encore un gros décalage. Et si on fait, alors je ne l'ai pas fait précisément, mais à la louche et à une nez, bah grosso modo, on va arriver ici. Dans 2 semaines.
Voilà. Et donc, c'est ça, c'est même dans 10 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas cette semaine, c'est pas la semaine, ça sera la semaine d'après. Voilà, c'est ça. Et donc, début octobre, en fait, hein, en octobre. Et qu'est-ce qui se passe quelquefois? C'est que quand on a ce genre de phénomène ici de correction, la correction va chercher un niveau ou fait de l'horizontale en attendant que la Kijun remonte. Là, ce qui était interpellant à ce niveau-là, outre le fait qu'il n'y avait plus de support, puisque il faut descendre très bas, il y a aussi le fait que la Tenkan était très éloignée de la Kijun, hein, parce que ça, c'est aujourd'hui, mais hier, on était là, d'accord? Donc, on avait une Tenkan très éloignée d'une Kijun. Ça veut dire qu'il y a une surextension entre les deux. Quand il y a surextension entre les deux, ce n'est pas tenable par le marché, ça corrige. Mais la correction, ce n'est pas nécessairement qu'on va aller chercher jusqu'à la Kijun. On peut très bien s'arrêter ici, mais prix yoyote, là, entre la droite ici, hein, la droite de sommet qui est ici, d'accord? Et puis ce niveau-là qu'on attaque de temps en temps, etc., jusqu'à ce que ma Kijun remonte. D'accord? Et D'accord. là, quand elle va remonter ici, vous voyez qu'elle prend en compte plusieurs bougies. Elle va prendre 5 bougies. Ça veut dire que pendant 5 semaines, elle va rester à l'horizontale. Donc ici, on a un niveau qui est très fort. Voilà, donc ça c'est l'idée. En journalier, ben voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est le journalier avec la projection hebdomadaire. Donc j'ai bien mon numéro 1 ici. Ma Kijun qui est en train de remonter, ma Kijun hebdomadaire, comme je viens de vous montrer. Et là, pour le moment, on attaque le nuage. Donc là, évidemment, ça veut dire qu'à court terme, si on passe de l'autre côté du nuage, on a une inversion de tendance court terme, puisqu'on va être baissier. Mais voilà, j'ai mon support qui est ici. Hein. Ma droite rouge, vous voyez, ma lagging span hebdomadaire que je vous ai montré. Donc ici, qui pourrait rencontrer son nuage, c'est celle-là. Hein, et voilà, le nuage qui est ici. Donc tant qu'on va rester dans ce nuage sur ce niveau-là, et vous voyez que là, si elle descendait à travers le nuage, la Kijun est ici pour les prix. Donc on a du support. On a du support. D'accord? Alors l'autre idée, voilà, c'est pour dire que tout n'est pas forcément rose. Ça, c'est l'idée haussière. Hein, c'est l'idée optimiste, comme quoi ça peut monter. Là, on a une idée un peu moins optimiste, on va dire. C'est l'idée baissière. À savoir que ma vague 4, que je mettais ici tout à l'heure, au mouvement A, B, C, D, E, je peux aussi dire que finalement, ma vague 4, elle est ici, en A, B, C. Et puis là, j'ai fait ma 5. Si j'ai fait ma 5, j'ai fini ma 3. Si j'ai fini ma 3, ça veut dire que j'ai commencé ma 4 descendante. Mais il faudra valider ça en cassant le nuage mensuel, non? Ah, bah exactement. C'est-à-dire que techniquement parlant, tant qu'on n'a pas cassé le nuage mensuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste au-dessus, donc on reste techniquement haussier. Il faut passer le nuage mensuel. Donc l'idée n'est pessimiste, on va dire, hein, mais ça c'est peut-être celle qui m'a marché, hein, j'en sais rien. L'idée pessimiste, c'est dire on a fini, c'est fini. Là, on a fait un mouvement ici, on est en train de faire un mouvement A, un mouvement B et un mouvement C. Et quand tu mets une projection Fibo, voilà, A, B, C, et vous voyez que le C, il peut descendre soit ici, puisque une extension Fibo, le minimum, c'est du 61,8%, donc ça serait descendre ici. Alors moi, d'un point de vue Ishimoku, ça ne me parle pas trop, à part qu'on est peut-être sur le niveau ici de la Kijun, mais enfin, c'est un niveau qui ne m'inspire pas. Autant on s'arrête là, je dis OK. Autant voilà, ça ne me parle pas, quoi. J'aime pas trop. Par contre, descendre ici, là oui. Donc là, on est au 100%. Parce que, alors je l'ai mis, c'est pas de façon extrêmement précise, hein, mais on pourrait retourner chercher à nouveau le bas de cette figure-là. Et à ce moment-là, on aurait une grande correction en ABC. Ça, c'est le côté pessimiste, qui n'est pas à écarter. D'accord? Donc, on a vraiment les deux schémas haussiers. Ou ce schéma-là baissier. Donc il va falloir surveiller ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Si ce niveau-là casse, le niveau suivant, il est ici. Donc c'est le niveau mensuel. Et puis après, bah, si là ça casse, oui, effectivement, si on passe à travers ce nuage-là, ça sent mauvais. Donc quelqu'un qui va vouloir prendre des positions, qui dit, moi, je préfère cette hypothèse-là à l'autre hypothèse parce que pour des raisons X, Y, Z, l'économie va mal, Trump, machin, etc. Ok, je suis vendeur. Chacun sa théorie, hein, chacun son idée. À ce moment-là, c'est des positions qu'on va prendre en plusieurs temps. C'est-à-dire là, dans l'immédiat, on joue ce niveau-là. Après, on joue ce niveau-là. Puis après, on joue les niveaux Fibo. Et puis, on va chercher en bas. Mais on ne dit pas je rentre là et je vends pour aller jusqu'ici, parce qu'il y a un danger, parce que non, c'est peut-être pas ce niveau, ce truc qui va marcher, c'est peut-être un rebond ici, on va repartir ici. Donc les stops, attention, on les serre. D'accord? Voilà, l'idée, elle est un peu là. Donc,
Est-ce qu'on est en train de faire 1, 2, 3 et donc 4, ça serait là. Alors pourquoi j'ai mis mon 4 ici? Alors là, j'ai pas mis les. Je suis pas rentrée dans les détails puisque pour le moment, j'attends d'avoir des informations pour travailler un peu plus, hein, parce que ça prend quand même du temps. Cette vague 4, elle est mise ici parce que vous voyez, ici, on a une vague 4. Et en général, les fractales supérieurs vont chercher les niveaux de fractales inférieurs. D'accord. Et quand on regarde, alors là, je ne l'avais pas mis sur ce dessin-là, mais quand on regarde, bah, si, on voit ici, de toute façon, quand on voit cette mèche-là, on s'aperçoit qu'on allait chercher le sommet de cette zone, mais pas le bas de cette zone. Donc, il pourrait très bien que dans mon schéma ABC, justement, on descende finalement chercher le bas de cette zone qui n'a pas été testée, et après on repartirait. D'accord. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, en fonction de ce qui va se passer entre la saisonnalité et les élections américaines, on peut avoir cette vague 4 qui descendent effectivement chercher des points bas ici. Ce n'est pas improbable. Comme si ça se trouve, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, et finalement, on va repartir à la hausse. Voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, on va voir au niveau du CAC. Alors le CAC, j'ai pas de décompte Elliott parce que je n'arrive pas à le décompter, tout simplement. Alors Elliott, c'est pareil. Quand on voit rien, on voit rien. Voilà, j'ai envie de dire. Il y a des gens, les Elliottistes. Donc j'ai des amis qui sont Elliottistes. Hein, ils peuvent se prendre une après-midi, voire 2 jours, à se casser la tête sur une valeur pour essayer de trouver un décompte. D'accord? Quelque chose qui marche. Alors, moi, je fais de l'éthiotisme de base, hein, vraiment brut de fonderie, c'est-à-dire que moi, je cherche des impulsions, c'est 1, 2, 3, 4, 5, les corrections, c'est ABC, point à la ligne. Et ça, c'est la base d'Elliott. Maintenant, les vrais éliotistes, ils vont vous chercher des X, W, Y, Z. Quand ils ne savent pas si c'est 1, 2, 3, 4, 5, ils mettent du W, X, Y, Z. D'accord? C'est pas du tout mon style parce que je trouve que c'est beaucoup trop peu aléatoire et c'est vraiment, de mon point de vue, alors je m'excuse auprès des élotistes qui pourraient m'écouter et qui ont les cheveux qui se hérissent sur la tête, mais de mon point de vue, c'est vraiment se faire des nœuds au cerveau, tout ça pour essayer de valider une idée qu'on a. Mais ce n'est plus de la lecture de marché. D'accord? Donc je préfère dire, moi le CAC, eh ben, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je suis incapable de dire, c'est du trimestriel là, je suis incapable de dire où est-ce que je vois du 1, 2, 3, 4, 5, parce que perso, je n'en vois pas. Voilà, donc ben, je ne décompte pas. Donc, dans ce cas-là, je vais faire 100, je vais me baser uniquement avec l'Ichimoku. Et là, l'Ichimoku, il me dit qu'en trimestriel, ben, ça sent déjà pas bon. D'accord? Contrairement aux indices américains, on a vu qu'en trimestriel, on est dans une deuxième bougie bleue, et ben on voit que le CAC, lui, son trimestre ici, il est en bougie rouge. Non seulement il est en bougie rouge, mais il recasse sa Kijun. Donc, le signal haussier qu'il avait redonné ici, en repassant la Kijun, ben, il est en train de la valider. D'accord? Alors, le trimestre, il se finit à la fin de ce mois-ci, hein, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour. Etc. Donc, si on ne reprend pas les 4870 d'ici la fin du mois, eh ben on a invalidé le signal haussier qui est ici. Et donc à ce moment-là, on pourrait envisager qu'on descende ici. D'accord? Ici, c'est le nuage trimestriel, c'est aussi la Kijun annuelle. D'accord? Donc, et vous voyez, quand ça s'arrêtait ici, c'est pas innocent cette Kijun, c'est une Kijun annuelle, d'accord? Qui est sur le prolongement d'une Kijun trimestrielle ici, avec une SSB trimestrielle ici. Donc là, même chose, on a un petit bémol ici, c'est la lagging span qui pourrait éventuellement buter sur le nuage et ne pas descendre plus loin. Là, j'ai un plat de SSB ici, vous voyez, qui pourrait, voilà, hein, qui va à la louche à peu près. On a le plat de Kijun ici. Donc ici, on a une zone de support. Donc est-ce qu'en trimestriel, là, à la fin du mois de septembre, on vient chercher ce niveau-là, on s'arrête là et on repart, ou est-ce qu'on l'enfonce? Ça sera du qui tout double. Mais ce qu'il ne faut pas enfoncer, c'est ça, c'est certain. D'accord? Voilà. En mensuel, alors en mensuel, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est neutre. Alors, on va me dire, oui, c'est du mensuel, donc, mais on est dans le nuage. Tous les indices américains, ils sont tous sortis de leur nuage. On a vu, on est au-dessus. Alors, je ne vous ai pas mis le Nasdaq parce que ça n'a aucun intérêt, mais on a vu sur le dos, on est au-dessus du nuage. Là, le CAC a cassé son nuage en mensuel. Donc, ici, il nous a bien donné un renversement de tendance et il l'a invalidé après. Mais maintenant, il est neutre. C'est-à-dire qu'il nous ne dit pas qu'il repart en tendance haussière, Est-ce qu'on peut puisqu'on dire est qu'il encore. a invalidé ou qu'il n'arrive pas à l'invalider là, parce qu'il sort pas du nuage? Eh ben, comme il est en train de yoyoter, la Kijun, elle est là, elle est dans le nuage. Donc, on a vraiment une double neutralité. Alors, un coup, je dis j'achète, là, je dis je vends, là, je dis j'achète, et là, maintenant, je dis je vends. Mais comme tout ça, c'est dans le nuage, c'est de la neutralité complète. On ne peut rien faire. Il ne sait pas où il veut aller. On a un marché qui est neutre de chez neutre. D'accord? Alors, la lagging span, elle, c'est ce qu'il va falloir surveiller, là, ce mois-ci. Parce que la lagging span, ben, elle bute ici sur la Kijun. Donc, si jamais elle enfonce la Kijun ici, elle va valider la baisse. Là, elle ne la valide pas non plus. Elle est neutre.
Elle est sous ses prix, mais elle est au-dessus de la Kijun. Donc elle est neutre. On a vraiment autour des 4870, c'est une neutralité majeure sur le CAC. Donc si on passe en dessous, et là si on casse le nuage en bas, je crois que c'est 4700, 4600, il me semble, le bas du nuage ici, là on aura vraiment une impulsion baissière, en sens où on casse le bas du nuage, ça veut dire que la Kingsman a cassé sa Kijun. Donc elle valide. Et à ce moment-là, la Kijun annuelle ici pourrait être dans les clous. D'accord? Maintenant, si on repasse les 4870 en octobre ou en novembre, hein, voilà, et qu'on ressort du nuage ici, là, à ce moment-là, on redonnera, on pourra dire que ben là, on a peut-être un mouvement, on corrige et puis on repart. D'accord? C'est possible aussi. Mais tant qu'on est dans le nuage, c'est neutre. Voilà, il n'y a rien à faire. D'accord? Alors, ça, c'est l'hebdo mensuel. Donc, c'était une hypothèse que j'avais émise. Et donc, qui est caduque hein, pour le moment, enfin, sauf si on clôture au-dessus à la fin de la semaine, mais si on reste en l'état ici à la fin de la semaine, donc ça c'est la bougie d'aujourd'hui, hein, c'est hebdomadaire, comme on est lundi, c'est la même chose. Là, j'avais un décompte, voilà, un truc. Hein. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, là, une vague 4 merdique, hein, comme toutes les 4, et on aurait pu aller chercher la 5 ici, donc avec cette extension de Fibo, ça nous donnait ça là-haut, qui n'était pas trop mal, hein, parce que c'était à peu près sur ce niveau-là, donc c'était assez sympathique. On avait la droite de résistance ici, et puis là, on a le nuage hebdomadaire qui est tout fin, hein, qui est passé, et là, c'est le nuage mensuel. Donc, on voit quoi? On voit que le CAC n'a pas réussi à casser cette droite de tendance, elle a vraiment tenu, que le CAC reste obstinément dans son nuage mensuel, c'est ce qu'on vient de voir sur l'image précédente, et là, on est en train de casser les 4870, hein, donc un niveau vraiment clé, et on s'achemine vers le bas du nuage. Donc, est-ce que le bas du nuage va faire support là, dans la semaine, et nous renvoyer les prix ici en clôture à la fin de la semaine? Tout est possible à l'heure actuelle. Hein. Il suffit qu'il y a un laboratoire français qui dise, ça y est, moi j'ai trouvé un plan pour le Covid, là, puis pouf, ça remonte là. Hein. Ça, c'est, hein, on est que lundi, il y a encore 4 jours. Hein. Donc, on peut très bien descendre ici, renoter la Kijun qui remonte ici en support. Et si On on descend descend là, ici. en fait, on invalide la 4. La 4, elle ne serait pas encore finie alors. Ah, voilà, c'est ça. Ça Ah. veut dire que la 4, bah, finalement, ma droite ici, il faudra la baisser. Admettons qu'on vienne ici, bah, on aurait, oui, la 4, elle ne serait pas invalidée pour le moment. Tant qu'on D'accord. reste dans le nuage, la 4 n'est pas invalidée. Mais là, pour le moment, l'idée de fond, elle est invalidée tant qu'on ne passe pas là-dessus. D'accord? Puisque ma 5, elle est là-haut, hein, donc il faut que je casse ça. Et pour le moment, ça ne part pas dans le bon sens. Hein. Donc, je veux dire, ce n'est pas invalidé de façon ferme et définitive, mais c'est en cours, quoi. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que je dis, Elliot, il faut s'en méfier, c'est parce qu'on peut avoir des belles idées. Donc, il ne fallait pas dire, ah bah tiens, j'ai fait 1, 2, 3, 4, là on voit que ça commence à monter, on dit youpla boum, c'est bon, et puis j'achète et je vais jouer la 5. Non, il faut vraiment attendre les validations. Et là, on avait un nuage en résistance, hein, la SSA ici en résistance, on avait la droite de tendance, on avait ça qui a été passé, mais enfin passé avec une bougie rouge, ça donne pas envie d'acheter, hein, on va dire clairement. La Tenkan avait tenu à la fin de la semaine dernière, donc après tout, cette semaine, on aurait très bien pu repartir. Et là, le 5 était activé. Sur du point du sommet de la 3, ma 5 est activée. Là, on part dans l'autre sens. Donc, pour moi, je suis plutôt dans un biais d'invalidation qu'un biais de validation. Maintenant, c'est une bougie hebdomadaire. Donc, effectivement, on peut remonter ici d'ici la fin de la semaine. Elle n'est pas finie. On n'est que le premier jour. D'accord? Et Et là, j'ai. vendredi dernier, on a eu beaucoup beaucoup de volume aussi sur le CAC, hein. Oui, mais c'était pas les trois sorcières ou je sais pas quoi. Il y a un truc dans ce Ah mur, oui, non? c'est ça, oui. Ouais, j'ai vu passer ça sur Twitter, parce que moi c'est un truc que je suis pas du tout, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui marquait que c'était les trois sorcières ou je sais pas quoi. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Si les sorcières agissent, c'est pas Halloween, mais bon, voilà. Donc, là, je suis en journalier, hein, donc je retrouve mon 1, 2, 3, la 4 qui est longue, donc aurait dû casser pour aller chercher de la 5. Vous voyez, les 61,8 ici, c'était sympa, hein, sur le même plan que le nuage hebdomadaire, donc c'était assez sympathique, mais bon, voilà, ça part dans le sens. Et là, alors. Je veux dire, vendredi, c'était encore pas trop moche. Parce que, effectivement, on avait cassé très, très, très légèrement la Kijun. Hein, faut vraiment prendre un microscope. Mais on avait tenu le twist. Et puis là, aujourd'hui, on a gapé dessous. D'accord? On a gapé dessous. On a cassé la Kijun mensuelle ici, qui est sur le même plan que la Kijun. Non, hebdomadaire, elle est là. Donc, c'est la Kijun journalière qui est là. Donc, ça, c'est la Kijun mensuelle qui est ici. On a cassé la Kijun mensuelle. On a cassé la droite de support qui est ici. Et on s'achemine donc vers le bas du nuage mensuel. Mais on a bien là la Kijun hebdomadaire qui remonte. Donc, est-ce que ça va suffire à me renvoyer les prix? Peut-être. Peut-être.
D'accord? Donc voilà. Donc pour moi, le CAC, j'ai envie de dire. Alors peut-être qu'en intraday, il y a des choses à faire. Alors je dis bien peut-être parce que personnellement, bon, j'avoue, je ne traite pas le CAC. Hein, donc il ne faut pas prendre au pied ce que je dis. Mais enfin, quand je regarde, ça, ce sont des bougies journalières. Quand je regarde ça, honnêtement, en intraday, c'est intradable. Hein. Ouais, c'est orange, hein, C'est rien n'importe quoi, c'est du bleu, du rouge, du bleu, du rouge. Alors évidemment, on va me dire, ah bah oui, mais si on vend là et puis qu'on va ici, on a gagné des points. Oui, d'accord, mais enfin, fallait savoir qu'il fallait vendre ici. Donc bon, c'est toujours facile à dire après qu'avant. Hein. Si on pouvait trader dans le passé, on serait tous milliardaires. Hein. D'accord? Donc voilà, la bougie d'aujourd'hui, elle est quand même conséquente. Je n'ai pas suivi les actualités parce que j'ai quand même 6 heures de décalage, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, j'aimerais bien savoir Ben pourquoi. justement, rien du tout. Eh ben voilà. Moi aussi j'ai cherché, j'ai appelé pas mal de monde, non, rien. Voilà, bah voilà. Donc il y a un sell-off, là on ne sait pas pourquoi. Alors, Ouais. moi je vais le dire, pour moi, sans aller chercher dans les news, etc., parce que je pense que de toute façon les news, elles sont toutes, c'est toujours les mêmes qui ressortent à intervalles réguliers, donc je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Je pense simplement c'est la saisonnalité, c'est tout. On est monté, les marchés plafonnaient, ils ont atteint des niveaux, ça ne passe pas, et puis basta, et on est le 21 septembre, ou 20, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, voilà, c'est la troisième semaine de Puis septembre, on vend, et puis terminé. tout le monde l'avait, la résistance aussi. Donc peut-être quand ça a cassé, tout le monde a préféré alléger aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, quand j'explique que moi je suis sortie donc fin août parce que j'attendais la saisonnalité, etc., etc., je suis pas la seule. Hein. J'étais pas toute seule à sortir de mes GAFA. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Donc quelque part, je pense que ça joue. Ben, il y a un moment, les gens, enfin les intervenants sont quand même bien conscients de l'environnement qui est. Alors là, je ne parle pas de chiffres économiques. Hein. J'oublie totalement les chiffres économiques qui, de toute façon, de mon point de vue, à l'heure actuelle, ne font pas sens, ne disent rien, parce que compte tenu de ce qui s'est passé avant, qu'on regarde les PMI, les CPI, tous ces machins-là, vu l'ambiance sanitaire, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de crédibilité, donc ça ne sert à rien de dire, ah ben, le chiffre, il est mieux, il est moins bon, etc. On s'en fout complètement. C'est simplement on sait qu'on est dans une zone fragile. De septembre-octobre, avec le 3 novembre qui arrive derrière. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, la mousse, elle monte énormément au niveau des élections. J'ai encore lu des articles qui étaient assez impressionnants, hein, qui ont même peur dans un certain sens. Donc voilà. Si les marchés américains se mettent à vendre massivement, il est bien évident que le CAC, le DAX et les autres, ils ne vont pas monter. Hein. Ils vont suivre le mouvement. C'est Voilà. clair. Voilà. Il y a beaucoup Donc d'inquiétudes, voilà. on m'a dit aussi par rapport aux élections américaines, hein, que probablement que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, l'autre, le perdant se mettrait pas derrière en disant bah, c'est bon, t'as gagné, je te suis, quoi. C'est ça. Ça risque d'être chaud. C'est ça. C'est ça. Ça risque d'être très chaud. Et puis, il y a, comparé à l'élection précédente, il y a 4 ans, il n'y avait pas cette instabilité sociale aux États-Unis au moment de Trump-Clinton. D'accord? Bon, c'était un duel entre deux, d'accord? Mais il n'y avait pas cette. Là, il y a une grosse instabilité sociale qui peut péter à tout moment. Et donc, si il y a, y a, y a, voilà, y a, y a une quenouille au niveau des élections, je veux dire, cette instabilité va exploser. C'est tout. On a un baromètre hein, aux États-Unis, c'est les ventes d'armes. C'est tout. Et moi, j'ai lu des trucs où justement les ventes d'armes avaient nettement augmenté au moment du Covid. Déjà, voilà, on se demande pourquoi, parce que bon, on n'allait pas flinguer Pour tuer le virus, le non? dégaine ton Colt et quand tu vois le virus approcher, blanc, au lieu de mettre ton masque, tu dégaines ton Colt et tu tires. Non, je pense pas que ce soit le cas, mais c'était juste pour se protéger en fait. De gens mal intentionnés, on va dire, là, ça a vraiment explosé. Ça a vraiment explosé et ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc il y a vraiment, au niveau de la population, de la peur. C'est quoi, c'est l'insécurité ou... C'est l'insécurité, mais exactement, parce que dans quel sens ça va basculer, on n'en sait rien. Je veux dire, bon, Trump et ses idées suprémacistes, je ne sais pas comment on dit en français, voilà, c'est quand même, ça fait peur, quoi. Tout ce qui s'est passé à Portland, tout ça, je veux dire, ça fait peur. Ça fait peur. On le sent, hein, on sent autour de nous, hein.
On sent autour de nous, hein. Donc, oui, et quand on vous dit qu'il n'y a plus de munitions, les gens font la queue pour acheter des munitions. Et Oh les vache. entreprises, elles sont en rupture de stock au niveau des munitions. C'est impressionnant. Et ce n'est pas forcément dans les États les plus, j'ai envie de dire, les plus dangereux, entre guillemets, pas forcément dans les zones les plus dangereuses. Dans des États relativement calmes, il y a le même phénomène. Tout le monde s'achète une arme pour se protéger. Donc, voilà. Ok. Ben Hein. parfait, hein. Merci, ça a été très instructif, hein. On retrouvera tout ça dans le bouquin, alors, Karen, non? Oui, bah, de toute façon, la partie, alors pas le CAC, mais le Dow Jones, oui, puisque c'est justement à l'occasion de l'écriture que j'ai décidé d'en parler. Donc j'explique en même temps comment je lis Elliott, hein, et voilà, et j'explique le Dow. Donc bon, ben bah, voilà, on verra ce que ça donnera. Le problème, c'est qu'il faut que je rende mon manuscrit. J'aime bien quand l'éditeur me dit le manuscrit, parce que maintenant, on n'écrit plus vraiment à la main. Donc, voilà. Il faut que je rende mon brouillon, on va dire, fin septembre. Donc évidemment, je n'aurai pas la conclusion sur mes idées. Hein, Ah ouais, voilà. fin septembre, Bah, c'est demain, quoi. comment? Fin septembre, c'est demain. Ouais. Oui, voilà, c'est ça à peu près. Hein. Donc là, j'ai encore une grosse semaine de boulot à faire. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit décalage parce que je pense que je n'aurai pas fini fin septembre. Mais bon, on va dire la première semaine d'octobre. Mais bon, c'est clair que je n'aurai pas ma réponse sur mes deux schémas possibles d'ici que je rende mon draft, quoi. Donc, bon. D'accord. Bon, après, les gens, ils verront. Hein. Ils diront, ah, bah, tiens, Madame Péloil, elle a dit des conneries. Bon, bah, tant pis pour moi. Ou alors, au contraire, ouais, elle était vachement bonne. Non, mais en fait, c'est pour expliquer que voilà, on peut faire du trading long terme, qu'il y a des techniques pour faire du trading long terme de façon sûre, etc. Bon, on peut utiliser d'autres outils. Alors, je mets quand même un exemple sur le CAC, mais là, je n'utilise pas Elliott, du coup, j'utilise les techniques toujours couplées avec Ichimoku, bien évidemment, d'autres techniques plus classiques, style les têtes d'épaule inversées, les choses comme ça, quoi, ou les figures chartistes, etc. Dire que ben, voilà, ça peut aussi compléter Ichimoku. D'accord, parfait. Mais malgré tout, c'est Ichimoku qui va nous donner le là, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut voir des choses, on peut constater des choses d'un point de vue classique, hein, d'études classiques, que ce soit Elliott ou que ce soit des figures chartistes. Mais clairement, là, quand on avait ici la cassure sur gap du twist qui avait résisté vendredi, c'était clair que ça sentait pas bon. Alors qu'en plus, j'ai une droite support ici qui casse, ok, mais j'aurais pas eu ma droite support parce que je l'aurais pas tracée. J'aurais pas tracé ces deux droites d'analyse classique traditionnelle, on va dire. J'aurais compris que c'était baissier, quoi, et que j'allais chercher ça. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, quelqu'un qui met sa droite, et je l'émets parce que par contre, vous voyez ce qui se passe avec la lagging span ici, c'est pas innocent. Ah ouais, j'ai pas vu. Voilà, hein, ça s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que la lagging span s'arrête là. Donc voilà, et tout est comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir ici enfin une double information. C'est d'un côté mes prix qui disent, OK, on casse la droite support, donc tout le monde va vendre en disant, ouais, c'est bon, on va au trou. Bref, mais moi je vais dire, ben, on va juste attendre un tout petit peu. Hein, Pour parce valider, ouais. que ça. Voilà, ça, c'est du journalier, ça. Donc ça, il faut que ça casse. Et puis, moi, je vendrai que là-dessous. Parce que là, c'est mon nuage journalier. Et là, c'est le bas de mon nuage mensuel. Et là, j'ai ma Kijun hebdomadaire. Donc, question vendre, voilà. C'est là où l'Ichimoku va être intéressant. C'est que par rapport à l'analyse classique, ben, ça va nous donner une information. Alors oui, on va peut-être rentrer plus tard. Quelqu'un qui dit, ah ben moi, ça y est, cassé, je vends. Mais il a peut-être raison. Hein. Peut-être qu'on va descendre ici. Auquel cas, il aura raison. Moi, je ne serai rentré que là. Mais en rentrant là, bah d'abord mon stop il est là, voilà, déjà de base, donc mon stop sera beaucoup plus réduit, et puis j'aurai plus de certitude, entre guillemets, d'aller chercher ce niveau-là, si on doit aller chercher ce niveau-là, d'accord? Alors que vendre ici, on prend un risque. Alors après, comme je le dis toujours, le risque ça gère, on peut très bien dire, tiens, je prends une demi-position, j'attends, et puis je rempile ici quand je suis sûr que ça descend, ouais, comme ça on est dans le marché. C'est possible aussi. Maintenant, moi ce que je vais dire aussi ici, c'est que si on casse ici, alors là je sais pas où on en est, hein, parce que j'ai pris cette slide tout à l'heure là. Donc, si on descend jusqu'ici, attention, le test de cassure. D'accord? Que demain, on peut très bien remonter là. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais moi, en 10 ans d'expérience, je considère vraiment qu'à chaque fois qu'il y a un doute par rapport à l'analyse classique, c'est Ichimoku qui a raison. Voilà. Après, il faut savoir le lire aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais invariablement, le nombre de fois où je vois sur Twitter des gens qui disent des choses comme ça par rapport à l'analyse classique, je dis, oups, attention, on a une petite lagging span qui passe pas, on a une Tenkan qui passe par là, on a une Kijun là, on va être un peu plus prudent.
Hein? Donc pour l'instant, c'est des prises de profit et on verra après si, s'il y a des shorts qui rentrent en jeu, quoi. C'est ça, j'ai envie de dire. Alors, sur le CAC, prise de profit, je pense que je ne sais même pas s'il y avait des profits dans le tas, là, parce que tous ceux qui étaient là, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait des profits. Je pense que les prises de profit, elles étaient là. Et puis que là, le marché, il a été en attente de quoi, on ne sait pas. Mais bon, ça a été tout l'été, là, ça c'est tout l'été, hein, c'est du journalier, donc ça c'est tout l'été. Ça a été en attente, ça merdouillait, il n'y avait personne, quoi. Ils étaient à la plage, et puis voilà, quoi. Ils étaient en train de tous choper le Covid sur la plage, et puis basta, quoi. Nous, on a un robot de trading, là, on est dessus, et là, un robot de tendance. Et là, on a perdu tout l'été, hein. Ah oui, Tout oui. l'été. À quelqu'un qui a un robot qui a marché là-dessus, là, clairement, il s'est fait dézinguer. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il a gagné là, éventuellement, il a tout perdu ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est le problème des robots. Hein. C'est le problème des robots. Là, c'était clair qu'il n'y avait strictement rien à faire. On est coincé entre là qui joue le haut du nuage mensuel, la droite de tendance là-haut, qui est tracée avec ces deux points-là. Hein. Donc, elle est active ici. Hein. Là, c'est de la congestion. Bon, ben voilà, ça a congestionné. Ben, c'est parti par le bas, ça aurait pu partir par le haut. Maintenant, c'est peut-être un faux départ, et puis on va repartir dans l'autre sens. Hein. Il faut suivre. Voilà, c'est rien en analyse technique, rien n'est jamais ferme et définitif. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses. OK, on a des cassures, on remarque qu'on a des cassures, on attend la validation de la cassure. Là, moi, si la bougie clôture comme ça ce soir, je n'ai pas de validation. C'est-à-dire que ça a cassé, oui, mais ça n'a pas cassé. Et moi, j'ai toujours ce niveau-là en bas. Voilà. Donc, tant que je ne suis pas là-dessous, je n'ai pas de validation baissière. On va me dire, oui, mais il y a 100 points. Bah oui, bah, il y a peut-être 100 points, mais je n'ai pas de validation baissière. Point à la ligne. Et puis, j'ai cette droite qui remonte, là. Elle m'embête, celle-là. D'accord? Voilà. Donc, wait and see, on verra ça au prochain épisode. D'accord. Ben, merci beaucoup, Karen. C'était très gentil Bah, c'est moi qui te remercie, c'est sympa. d'avoir su ça. Et puis, ben, on essaie de se voir régulièrement et pour la sortie du livre, non? Sinon. Bah voilà, le prochain rendez-vous, on essaiera de faire quelque chose, ouais. D'accord. Pour présenter, donc ça sera en novembre, alors ça sera sans doute pas début novembre, ça sera peut-être à partir de la mi ou fin novembre, hein, On tout parlera dépend. de l'élection et du livre, alors, comme ça. C'est ça, voilà, on pourra parler de tout en même temps. Ok. On fera une grosse séance là. D'accord. Merci, Karen. Et ben c'est moi qui te remercie, Denis, et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.